Ils ont fait sensation ce dimanche à New York, l'acteur Timothée Chalamet et le réalisateur Martin Scorsese étaient réunis pour un prestigieux tournage dans les couloirs du métro new-yorkais. S'y est-il une drôle de scène à laquelle ont pu assister les usagers du métro de New York ce 23 avril. L'un des acteurs les plus en vue du moment, Timothée Chalamet, acteur de Call Me By Your Name, rôle pour lequel il avait été nommé aux Oscars à seulement 22 ans, devenant le plus jeune acteur jamais nommé dans la catégorie meilleur acteur et de Dune, aux côtés du réalisateur Martin Scorsese à l'origine des films Les Affranchis, Gang of New York, Les Infiltrés ou Le Loup de Wall Street pour ne citer que, s'entretenant tous deux dans une rame de train, tout sourire, l'un sur une banquette, l'autre sur un fauteuil d'intérieur tout confort, à le diriger. Ces deux grands noms du cinéma étaient réunis ce dimanche pour le compte d'une célèbre maison française de haute couture et son pendant parfumerie, Chanel. De Gaspard Ulliel à Timothée Chalamet, ils étaient en effet en tournage pour la publicité du nouveau bleu de Chanel, senteur incarné précédemment par Gaspard Ulliel disparu en janvier 2022. Avec le défunt acteur, les pubs Chanel avaient pris des allures de tournage pour le grand écran puisque la marque avait déjà fait appel à Martin Scorsese pour le premier clip publicitaire de 2010 puis à James Gray en 2015 avant de confier son dernier clip promotionnel au réalisateur Steve McQueen. Dans les trois mini-films, l'acteur jouait le rôle d'une star de ciné adulée et courtisée. En ce qui concerne cette future publicité, les photographes ont réussi à saisir quelques images exclusives. Pas de secret ici, cela s'est passé en plein jour, au vu et au su de tous, pour ses débuts en tant qu'égérie Chanel, Timothée Chalamet arborait un total look noir en cuir. L'équipe de tournage a réalisé quelques prises de vue dans un immeuble, dans les rues de New York et finalement dans la station Astoria Boulevard du Queens. Un acteur convoité frère cadet de l'actrice Pauline Chalamet, Timothée Chalamet a connu une ascension fulgurante et est devenu ces dernières années une véritable coqueluche pour Hollywood. Alors qu'il fait la une des magazines People pour les idylles qu'il enchaîne avec la fille de Madonna, celle de Johnny Depp et Vanessa Paradis et pour la relation qu'on lui prête actuellement avec Kylie Jenner, la célèbre sœur de Kim Kardashian, le franco-américain ne cesse d'être sollicité par les pontes du cinéma. Cette année, le comédien sera à l'affiche du deuxième volet de Dune avec l'actrice Zendaya et de Wonka, dans la peau du célèbre chocolatier personnage de Roald Dahl, en décembre. À lire aussi Timothée Chalamet, ma grand-mère m'a transmis son goût du spectacle. On your own, but